L'épée de Mana. Il semblerait que c'est une épée que nous avons récupérée. Pourquoi est-ce qu'on voit cet arbre? Saras. Retour sur le jeu de la vie. Alors je vais encore une fois être totalement, mais totalement insupportable sur le plaisir que j'ai à jouer à ce jeu. Alors j'ai passé une journée exécrable, exécrable. Je suis deg. Mais quand on est là et qu'on est posé pour jouer aux jeux vidéo et qu'on a un petit noco, on oublie tous ces désagréments et on s'amuse. C'est pour ça que je suis là. Non mais je veux pas quitter le jeu. Donc la dernière fois on avait récupéré tous les esprits. Oh, regardez ce petit palmier qui flotte. MDR. Ici on le voit pas, hein. Mais en fait, ils volent. Ils ont vraiment décoré au pif. Hein. Regardez-moi ça. Tous ces cailloux qui n'en finissent pas. Mais ça fait l'illusion, c'est tout ce qui compte, hein. MDR. La dernière fois, on avait récupéré tous les. Yo 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 yo, effectivement, bonsoir. On avait récupéré tous les. Ouais, je flotte sur les cailloux, vraiment, vraiment horrible. On avait récupéré tous les esprits. Donc, on a vraiment toutes les lames. Qu'est-ce que je raconte? Non, parce que c'est quand je changerai de classe. Ce que je voulais dire, c'est qu'on avait récupéré tous les esprits. On est venu ici. Les mecs se sont entretués à l'infini. Et le grand vainqueur de cette mini-guerre fut le sorcier pourpre. Cet enfoiré nous a kidnappé la fée. Et du coup, faut aller lui casser les dents. Alors pour ça, il faut que. Oh là là, il s'est pas ordonné tout ça. Hein. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette roue des objets là? Oh, ça va tellement plus vite de le faire comme ça. Mais quelle vie. Pouet, 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 la, 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 la. Oh là, elle note, ça va. C'est Dio, effectivement, Dio. Ouais, je mets quoi en dernier objet? Ouais, des shurikens, parce que quelque part, on est un ninja. Ouais, ils sont magnifiques. Pouet, 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 pouet. Oh, j'ai des objets, let's go. Dio-sama. C'est une graine d'objet ça, hein. Ça va me donner quoi? Anneau de Diablotin. Donc comme je disais, c'est Dio. C'est Dio, c'est toujours la faute de Dio de toute façon. C'est forcément la faute de Dio, tu vois. Pouet. Et la déesse, pour nous aider, elle nous a donné un tambour. Un tambour. Un tambour. Franchement, il aurait pu nous donner un truc plus utile que ça. Hein. Mais maintenant, au moins, on peut voler et appeler Flammy, qui est une dragonne. Et voir à quel point le jeu est magnifique. Alors, ce qui est grave, c'est qu'on peut pas monter et descendre. On peut juste se déplacer. Du coup, voilà, du coup, tu peux te bouffer des murs. Et c'est surtout en se rapprochant qu'on se rend compte à quel point, en fait, je suis tout petit. On dirait que le mur est tout petit par rapport à moi. Alors qu'en fait, quand je me rapproche, regardez. C'est bien fait en fait, hein. On se rend pas compte de la taille. Je sais pas si vous voyez la perspective dont je parle. On dirait vraiment que la montagne est plus petite que ça. Et pourtant, quand tu te rapproches, je suis ridicule. Dans le classique, on peut monter en haut en bas. On a un niveau. Mais là, non. Alors, la map est incroyable, hein. Il faut que j'aille du coup à Altena. Comme j'expliquais, c'est. La dernière fois j'avais expliqué, mais bon là j'ai coupé avant. C'est selon l'histoire que vous faites, ben, vous avez une quête à des endroits différents. Nous on va aller à Altena.
là où se trouve le pays des sorciers, et donc où cet enfoiré de sorcier pourpre, qui s'appelle je ne sais plus comment, a foutu la merde. Si vous jouez Charlotte ou Kevin, Seferolia, donc la cité des lycanthropes, des loups-garous, et Nevar pour Reese et Hawkeye. C'est des endroits du coup qu'on verra pas dans cette run. Faudra qu'on les y aille plus tard. Mais le monde est tellement stylé. Ah, on peut déjà commencer à atterrir à des endroits où on n'avait pas accès avant. Hein. Par exemple, ici. Voilà, ici, Forêt des Splendeurs, c'est une zone pour plus tard. Normalement, elle sera fermée si j'y vais, j'imagine. Parce que c'était Fjord et la forêt. Ah, c'est pareil, Grotte de la Nuit. Oh, c'est tellement bien fait. Rolando, le royaume du vent. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, il y a les ruines. Elles sont marrantes. Alors, Nevar, c'est comment? Non, c'est pas ça, Nevar. Nevar, c'est ici. Quoi? C'est quoi cette grotte? Oh, c'est plus ou moins ça en vrai. Ah, c'est propre, c'est propre. C'est très très propre. Dun, Jungle des illusions. Ok, en tout cas, moi je suis content de ce qu'ils ont fait de la mort. Ce volcan il veut pas s'arrêter de fumer. Hein. Let's go, man. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop propre. Allez, trêve de plaisir. Attendez, je sprintais même pas, j'étais en vitesse normale. Oh, quand tu sprints, waouh, il est full planage. Tadana. Parfait. Bon, atterrissons à Altena, le royaume de la magie, et allons récupérer la fée. C'est tellement propre. La fée est en danger. Karine Dakara, attendez, le son il est correctement fait ou pas? Yes, c'est bon. Ouais, mais on verra, on a le temps, elle ne te précipite pas. Il y a bien des mobs qui drop ce qu'il faut, on trouvera. Is ok. Si tu sais quel mob les drop, l'info peut être pratique. Parce que je sais pas si ça a changé par rapport à avant. Si c'est toujours les mêmes mobs qu'avant. Y a pas un petit truc? Ok. Alors bonjour. Des monstres, il y a des monstres dans le château, ils ont envahi. Ok. Mais c'est bien pourquoi ils nous attaquent pas. Ok, donc les sorcières sont en mode tranquille pour le moment. Hop. Ah, petit peu de pognon. Les abeilles, ok, on ira taper des abeilles. On peut rentrer et tout. Oh, c'est pas tant la guerre que ça. Hein. Moi, je pensais qu'on allait arriver et que la ville serait fermée. En fait, je me suis complètement gouré. Je suis dans le. Non, je suis dans le château. Pas dans le village. Ok. Je crois que c'était ce tiers d'armure que j'avais skip dans le 1. Des monstres, oui, j'ai compris. Des monstres. Ok, ok. Laissez-moi fouiller. Après, il y a des douves, hein. Tun, tun, tun. Oh, regardez. Ah, il est trop beau le piaf. Hop. C'est à moi, ça, on te dit. Ah, mais je kiffe trop ces cristals. J'ai l'impression que je peux faire un truc avec.
Quoi, y'a rien? Ah si, voilà, merci. Trois noix magiques. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de sauter sur les bâtiments. Vous savez, c'est un plaisir en vrai. Salut le chien. Alors, est-ce qu'ils vendent des nouvelles armes? Ils vendent des nouvelles armes. Bah du coup, on va prendre la Kratzenblachbigr. Canne de mitril. Non, je voulais pas l'équiper. Du coup, j'aurais même pas pu voir. Bon, c'est pas grave. En vrai, si je regarde pas et que je fais ça, c'est bon. Ok, du coup, elle est comment? Oh, elle est beaucoup plus stylée. Alors, pour elle. Ah, mais ça, on l'avait déjà. Bah oui, il est là, c'est la Guisarme. C'est la même skin, mais en bleu. Oh, les armes. Ah, quoi que ça. La gravure est un peu différente. Le début de la lame est différent également. La courbure de fin. Ouais. Par contre, le pommeau, c'est le même. Quoique, non. Ouais, je me sens un peu biaisé. Ah, le jeu est pas si bien que ça. Hein. Ah, c'est de la merde. Wouah! Oh. C'est une épée. C'est l'épée des Uruk-hai. C'est l'épée des Uruk-hai. C'est l'épée des Uruk-hai. Il y a une nouvelle assassin. Oula, 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 on boit. Attendez, deux secondes. Ah, mieux. Il y a un nouvel Assassin's Creed. Assassin en Scred. Chez les Vikings. Les Vikings, sérieux? Tu dois être heureux, toi. C'est ton plaisir, ça. Alors c'est marrant parce qu'ils vendent pour une fois des pendentifs de type on fait des trucs. Alors j'aimerais avoir un de chaque pour le plaisir, mais pas les trucs nuls. En fait les trucs ils donnent que de la... attendez, laissez-moi brain un peu. On va prendre Pégase. On va prendre la robe, hop. On va prendre le plastron Aquilin. Tu dois être content, non? T'aimes bien toi, tu fais les assassins en scred, non? Plus chez les Vikings. Faut dire ça à Rio. Je crois que c'est Rio qui joue à assassin. Faut dire ça à Rio. Alors nous, on a quoi? 5-8? 4-7. 4-7. En fait, ouais, annule attaque empoisonnée et rapetissement. Annule les attaques empoisonnées et rapetissement. Elle annule le silence. Ok, c'est pour ça que c'est bien. Je ping sur Discord dans les vrais jeux. Ok, bah t'as bien fait. Je vais aller voir une fois. Il y a une image? Ah ouais. Ça, on dirait un truc de Skyrim, je sais pas pourquoi. Bizarre le design. Mais on voit les brassards d'assassin. Ok. Mais ça c'est un teaser de type vraiment teasing quoi. Alors on va voir les bracelets. Parce qu'il y a bracelet de force mais ça donne pas de force. On a bracelet de défense, ça donne pas de défense. Là c'est 9-12. Là c'est 5-13. Donc 9-12. C'est de toute façon mieux que ça, tu vois. Et 6-12. 9-12, là, le bracelet de force, c'est le meilleur. Annule les pétrifications. Ah ouais, d'accord. Tellurique. Il a un petit bonus. J'ai 12 000 $. Franchement, les bracelets, je pense qu'on peut les looter. Non, en vrai, teaser demain à 17h. Ah, d'accord. Du coup, il y a le time. Je crois que les brassards, on peut les looter. Oh, je vais vraiment aller dans l'eau. Mais j'avais fait ça. Je me rappelle pas d'avoir fait ça quand on avait joué là-haut. Ah, mais non, mais tu peux pas venir ici. Quand on a fait le.
Quand on a fait l'histoire de début de d'Angela, on n'avait pas accès à la ville, rappelez-vous, à chaque fois il y avait une meuf, une malicienne qui m'empêchait d'y aller. Et puis j'étais tout de suite en dehors de la ville. La mercenaire appelait le chevalier de. Du coup, c'est vraiment, on peut pas y aller du tout. Et comme je disais, comme on n'ira pas dans la forteresse. Le chevalier de Jaïs, mais ne n'a pas empêché les morts d'envahir le château. Ouais, ok. Attends. Est-ce que par hasard le chevalier de Jaïs aurait pu laisser entrer tous ces monstres dans le château? En plus, sa majesté n'est pas du genre à faire confiance à la force physique plutôt qu'à la magie. Il avait été engagé, mais ça n'a pas empêché les monstres d'envahir, ok. Bienvenue. Quoi qu'il arrive, je ne fermerai pas ma boutique. Ça saperait le moral de tout le monde. J'ai baissé le rideau. Ah, il a dit quoi? J'ai baissé quoi? Ça saperait le moral de tout le monde si je baissais le rideau, ok. Allez, avec le château dans un tel état, on n'a plus le droit de on n'a plus d'endroit où se réfugier, alors autant essayer de continuer de vivre normalement. Sa majesté se trouve dans le château, et nous ne pouvons rien faire. Okay. Je me trompe de touche, c'est caille-couille, c'est casse-couille. Ça fait chier. J'ai beaucoup à faire. Pourriez-vous me laisser tranquille? Ok. Eh, tout est écrit à 190 000%. Une ombre ténébreuse et puissante va s'abattre sur le château d'Altena et se répand dans le monde entier. La fin est proche. Enfin, si la fin est proche, let's go, hein. Si la fin est proche, on peut laisser tout tomber, hein. Je suis vieux. Attendez, il y avait encore un truc. Prenez la fuite. Ok. Barre-nous. Y a encore un coffre que j'ai pas trouvé dans la zone. Regardons mieux avec nos yeux. Perso, la story de Kevin est ma préférée, trop de drama. Ouais, elles sont toutes bien. Après les. Je trouve quand même l'histoire du jeu très 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 classique. Même quand j'étais petit, c'était pas l'histoire qui m'avait le plus transcendé. Hein. Mais c'était sympa. Après, moi ce que j'ai kiffé, c'était surtout les factions quoi. Y a pas qu'un méchant et ça c'était trop bien. C'était vraiment mindfuck. Mais il est où le coffre là? 1 sur 2. C'est bugué. À chaque fois qu'il trouve pas les coffres, c'est bugué, les gars. C'est évident, non? Mais il est à l'extérieur ou il est dans une maison que j'ai ratée? Oh là là. Oh, mais c'est de la merde ce jeu vidéo. Voilà, je vais sortir du jeu. Oh! C'est des enfoirés. J'avais fait le tour pourtant. Typical shonen, bah ouais. Let's go! Il y a 17 h, un mec m'a follow avec un pseudo mais qui fait aucun sens. Regarde-moi ça. Ça, c'est un bot, ça. QFTRB Security. Gros pseudo.
pourrais lui dire que ça ne marche pas. Comment ça, bonus de force? Non mais écoutez, déjà n'utilisez pas d'objets, merci. Et vous, madame, soyez réfléchie. Oh, j'en sais rien, démerdez-vous. J'ai dû relancer Is 8, session de rush buzz, trop d'amour ce jeu. Sérieux? Oh, moi je suis pas capable de rejouer à Is 8. Si je dois rejouer à Is, je sais pas, je préférerais lancer Origin ou. Ou le 3. Genre un qui est simple, c'est genre tout droit, tu vois. Genre t'avances, no braining. Que les autres, y a du scénario et tout, oh là là. Ah par contre le château, ok. Voilà, oh j'en ai marre, j'ai plus parlé. Oh là là, le château on connaît. J'allais dire. On y est déjà allé. Non, Origin, il n'y a pas Adol. Mais le 3, il y a Adol. Le 3, c'est le même gameplay que Origin. Ou alors le 6. Ah ouais, le 6, c'était bien. Là, je trouve plus ready to be played. Oh, Six, je devais pas acheter d'armes. Oh, je suis pas grave. Ah non, elle est moins bien. Cyclone Pal. Mais sacré, je trouve une arme, elle est moins bien. Je peux même pas jouer un peu avec. Et la voir. Attendez, je l'équipe pour... et je tape au moins quelques mobs avec. J'ai que PS4, je suis pauvre. Ah. Ben oh non, je joue vite alors. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a quoi? Genre, quand on finit ce jeu, on fait quoi? Il y a rien dans le... Parce que normalement, il devait y avoir... Désolé, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. J'ai eu une journée nulle. Je suis un peu... Je suis un peu patraque, alors le jeu me rend un peu plus content. Il devait y avoir Cybertruck, j'allais dire. Cyberpunk. Le jeu censé être mieux. Ah, cette force. Ah bah vous voyez. Je vous avais dit. On va mettre bracelet de force sur moi parce que je suis un mec qui a de la force. En vrai, c'est sur elle que je vais le mettre, mais bon. Oh yeah! Wouah, regardez, je me suis arrêté pile au pire endroit, hein, la lampe dans la gueule. Pas de gros mots. Legend of Heroes. C'est pas bête ce que tu dis, hein. C'est vrai que j'y pensais en plus. On va descendre d'abord. Oh, c'est tellement propre. Tellement propre ce jeu. C'est vrai qu'elle est Legend of Heroes, les gars. C'est vrai que c'est la vie. Ah non, t'as raison. Ça fait partie de choses qu'il faut faire. Surtout que j'ai vu les mecs, j'ai vu les mecs de Falcom teaser un peu en japonais sur leur compte là. Ouais les gars, le remake, enfin le version PS4, Aono Kiseki, Zero no Kiseki. Alors déjà le temps qu'ils le fassent, le jeu sortira dans 3 ans. Et le temps qu'il arrive chez nous... Peut dormir par terre quoi. Par contre, je me rappelle on avait eu des infos comme quoi peut-être printemps et tout 2020.
Mais je sais pas, vu le tweet qu'ils avaient fait, on aurait dit qu'ils parlaient à peine de. Ils avaient vraiment l'impression de parler à peine de. D'une confirmation que ça va avoir lieu, quoi. Plus que parler du jeu qui allait sortir. Du coup, on s'est vraiment fourvoyé. On a bien fait au final de faire 0 déjà. Il nous reste à faire AO. Et on va le faire. Ce sera trop bien. Ils sortent IS-9 déjà, oui. Après là, c'est plus Knees of America. Les mecs, ils doivent faire les traductions. Enfin, les portages. On parle de traduction, traduction, mais faut le porter le jeu aussi. Parce que quand ils vont le faire sortir pour nous, il sera sans doute sur PC aussi, tu vois. C'est toujours un peu cet embrouille. Mais quoi? Ils ont toujours pas tué le mage, quoi. J'attendais depuis 1000 ans qu'il tue le mage. $3 500. Mais ouais, il faut que ça avance. Hein. Faut que ça avance vraiment. Qu'il se passe des trucs dans la vie des jeux vidéo. Je suis d'accord avec toi. IS-9. Après IS-9, je t'avoue, c'est pas que je suis pas pressé. Mais pour le coup, genre je me fais pas d'illusion que ce serait très tôt, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre ma hype, je me suis pas spoil, j'ai pas eu d'image, je sais que ça va arriver. J'ai rien vu qui me surhype sur le jeu, du coup j'attends à mon aise, tu vois. Ça viendra, ça viendra. En général, on aura des jeux à jouer, donc ça devrait le faire. J'essaie de pas être en désespoir de patience de l'avoir. Mais c'est sûr que là, tout de suite, à part des jeux que j'ai déjà prévu de faire, comme tu dis, genre les zéros et tout, ou refaire des is, etc. Il n'y a pas de jeu de sortie qu'on attend, quoi. Après, je dis ça, on. Ce serait mal parlé parce qu'on vient d'avoir FF7 Remake et Trails of Mana, tu vois. Donc ce serait quand même mal parlé gratos. On a assez joué avec cette arme, elle fait le taf. Mais bon, t'en prends celle qui fait un peu plus mal. On peut pas trop se plaindre. On a eu quand même des chouettes jeux. Hein. Quand même. Oh, elle a fait. J'ai vu au dernier moment qu'elle a fait le. Elle a fait son bisou sur le mob que je visais en ligne. Ouais, je pense pas que ça sortira cette année non plus, tu sais. IS-9, si on a de la chance, mars 2021. Et si on est vraiment chanceux, septembre 2020, octobre 2020, comme ça, fin d'année. Si vraiment ils sont en train de nous mind game et qu'ils sont en fait ils sont en train de travailler dessus, mais vu qu'il y a le corona, enfin qu'il y a le confinement, c'est compliqué d'imaginer qu'ils sont full rendement dessus, tu vois. S'il n'y avait pas eu le lockdown, j'aurais dit fin d'année, max début d'année. Là, peut-être printemps de l'année prochaine. Pour ce qui est de Ease, hein. Le remake de. Parce que Ease est déjà là, le jeu. Alors, c'est peut-être. Ça veut pas dire que c'est pas long de le porter, mais. Mais au moins, le jeu est déjà là. Moi, le jeu est déjà là, alors que
Le remake de. Enfin, le remaster version PS4 de AO et Zero. Je sais pas. Version Trails of Azure, on sait pas. J'aurais le temps de finir Cold Steel. C'est vrai que ça fait 20 000 ans que tu y joues. 23 heures de jeu, toujours premier chapitre. Ah bah, ça, c'est des jeux. T'as bien vu le temps que je mets sur mes let's play. Hein. J'ai plus de 100 heures de jeu par jeu. Hein. La barrière à l'étage supérieur a disparu. Bah, il y avait une barrière. Très bien. Je n'étais pas au courant. Moi, je suis juste allé là où le jeu ne veut pas que j'aille. Et du coup, on a débloqué la suite. Très bien, très bien. Mais tu vas. Oh là là. Mais je peux pas passer en fait, il est trop gros. Nash ta zé. Ok. Chamada. Akimash tane, on te dit. Hop. Coupe céleste. J'aime bien les petits donjons comme ça, gratos. Franchement, c'est tellement Ni no Kuni tier et. Et Dragon Quest tier. Après, dans Dragon Quest, on pouvait sauter ou pas? Quoi? Je suis tombé? Oh! Mais de toute façon, j'allais tout faire. De toute façon, j'avais tout fait, j'avais tout fait. J'avais tout fait, j'avais tout fait, j'avais tout fait. Quoi, il me manque un coffre ici? Ah non, c'est combiné. C'est combiné, c'est combiné, c'est combiné, c'est combiné, c'est combiné, c'est combiné. Et toi, tu oublies. Ah oui, c'est vrai que j'ai. Oh, il y a le travail, hein, c'est pas facile. Ouais. Ouais, franchement, on me parlait pas du travail. Hein. Aujourd'hui, c'est passé mal les journées. Hein, et ils m'ont tous saoulé. Hein. Franchement. Dégoûté du taf hein, aujourd'hui. Heureusement qu'on est là pour passer du bon temps. Hein. Heureusement, heureusement, heureusement. Petit coffre. Ah d'accord. J'ai tous les coffres au moins. Bah le donjon est fini, on est bien, on y est presque les gars, c'est bon. C'est bon. Level 4, 41, toujours pas de classe changée, toujours pas de classe ultime. Gros jeu vidéo. Gros jeu vidéo. Tu dois aussi finir Ni no Kuni. Tu joues à Ni no Kuni? Je me rappelle plus. Bah oui, du coup il faut finir. Oh, j'ai raté. Oh, ça va. Y'a moyen de rater plus gravement. Oh, je vais tuer les mages, comme ça c'est fini. Chumonjigiri! Là, j'ai 6 PV. M'en fous, j'y crois. MDR. En vrai, ça va plus vite de faire ça. Nice. Tiens, prends un chocolat, ma grande. Je sais que t'aimes le chocolat, Yen. Si. Regardez ton let's play, on peut dire que je l'ai fini. Bah, bien sûr. Bien sûr. C'est tout à fait vrai. Après, faut que j'aie mis toutes les vidéos. Ça, par contre. Mais sur Marc, les vidéos de Trails of Mana, mon jeu de la vie, elles sont sorties direct. En vrai, je dois profiter du confinement pour faire toutes ces choses. Je vais essayer, je vais essayer. Ni no Kuni, il y a tout. Bah, c'est bon. Alors, on y est là. Let's go. Osokattara. Ça. フェアリーと女王の命を助けたければ、そのマナの剣をこちらに渡してもらおう。On est à 2 mètres de lui. お母様。おっと動かないでもらおうか、アンジェラ王女。卑怯な。なんとでも言うがいい。さあ、剣をもらうぞ。少しでも動いたら。
フェアリーや断りの女王の命ないものと思え。これがマナの剣。なんだ。ざまあみろ。お前みたいな邪悪な心の持ち主は剣の方が嫌だとさ。ラマス。マナの剣は使い手の心を映す鏡。善にも悪にも染まる。強大な竜帝様の闇のお力によってマナの剣も暗黒剣として生まれ変わろう。やったぞ。これでマナの剣は竜帝様のもの。そんなバカな。もうここには用はない。マナの剣を使い各地のマナストーンから神獣を解放するのだ。何をするんだ。約束が違う。マナの剣をよこせとは言ったが、お前らを助けてやるなどという約束はした覚えがないね。もう許せねえ。今度こそ俺と戦え。残念だがお前たちと遊んでいる暇はないのでね。まあよい。今ここでお前たちを殺さなくても、神獣が復活すれば遅かれ早かれみんな死ぬ。マナの剣の霊に今しばらく生かしておいて、世界が滅んでいくのを見物させてやろう。大丈夫か。気にするな。お前のせいじゃない。それより奴ら剣を奪って神獣を復活させる気らしいぞ。どうすりゃいいんだ。大変よ。もう始まってしまった。あなたに戻ってマナストーンの様子を見せてあげる。目を閉じて。神獣が復活してしまった。でも今はまだ目覚めたばかりで、神獣も8体に分かれている。今ならまだ間に合うかも。神獣が最終形態になる前に一つずつ倒せば望みがあるよ。行きましょう。マナストーンのところへ。マナストーンだぜ。C'est ça, mon gars. Ah, il a tout cassé. Il a tout cassé, le sorcier pourpre. Il va partir dueliste ou maître. Bah, je sais pas, on va voir les trois, les classes. Quels spells elles ont. Mais par défaut, je prendrais sans doute maître pour changer, tu vois. En plus, t'as fait dueliste. En fait, si t'as fait dueliste, autant que je fasse maître, comme ça, on a des trucs différents. Et de toute façon, je vais faire plusieurs runs. Je sais qu'au moins une run des trois, des deux autres, je prendrais aussi du run. Je pourrais faire autre chose avec. Mais je ferai peut-être un paladin pour les runs suivantes pour voir un peu la lumière, comment ça se passe. On a tout pris là. Ouais, c'est bon. Normalement, je peux appeler le frère. Oh là là, c'est trop chiant. Je vais. Comment je fais pour retirer un truc ?
comme ça. Il est trop marrant ce tambour. Comment t'appelles ça un truc tu le bouges et ça fait du son. C'est différent d'un tambour ça, non? Je me rappelle plus. Bref, on est parti maintenant. Le monde s'ouvre. La map nous appartient. C'est marrant quand il a les ailes planes. Il s'aidait. Eh bah oui les gars, regardez, il y a des étoiles de mission partout. On en a 7 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi il y en a 8? Normalement on sait pas où est la pierre de mana de l'ombre. Parce que ça c'est la lune. Ça c'est le caillou. Ça c'est le glaçon. Ça c'est le bois. Ça c'est le vent. Ça c'est le feu. Il y en a une à Palo. C'est quel élément qui manque? On a tout là. La lumière c'est là. Elle est à Palo. Elle est à Palo. À Palo, faut parler à un mec qui te dit va dans les ruines incandescentes. Dans les ruines, c'est ça? Pourquoi y en a deux là pour le même endroit? Pour l'instant le port c'est le même, c'est le vent. Ah ok, genre tu peux atterrir là ou tu peux atterrir là parce que tu fais la route quoi. Mais ils sont trop bêtes. Ils sont trop bêtes d'avoir fait ça, on a l'impression. Ou alors c'est pour bait, peut-être qu'ils l'ont fait exprès pour bait. Pour faire croire qu'il y a 8 et faire oublier aux gens qu'en fait on sait pas où est la pierre de truc. Du coup tu m'as dit on va aller taper des abeilles du coup. Alors normalement pour le stuff à partir de maintenant on a 8 bénévonons à taper. Après le premier, après dès qu'on tue le premier bénévodon, les autres level up, prennent 2-3 niveaux. Et du coup, commencer par le plus dur, c'est en général ce qui est conseillé. Par exemple, commencer par la lumière, commencer par le bénévodon du royaume des loups, parce que je crois qu'il pétrifie et il endort, c'est celui du bois ou de la lune, celui de la lune parce qu'il empoisonne et tout. Ils font des debuffs chiants. Mais moi en général ce que je fais c'est que je commence par bois lune, pierre vent, feu flotte. Et puis je finis par lumière ténèbres, par duo quoi. Et là on va commencer du coup par bois lune. Parce que pour refarmer les abeilles c'est la lune. Et comme ça on a les sites, comme ça on peut changer de classe tôt. Pour ce qui est du stuff, dès qu'on tue le premier démon, il y a deux chatons qui pop, les amis de Hawkeye, qui pop pour nous vendre du stuff. Et c'est tous les 4 boss, c'est-à-dire on tue le premier, ils pop. Et une fois qu'on tue les 3 autres, donc ça fait le premier branchement de 4, ils repop à nouveau avec des nouveaux sets pour finir les derniers. Et puis après, c'est le stuff ultime quoi. Qu'il faut aller chercher avec les graines d'équipement. Bon, les graines d'équipement par contre je pense que c'est vraiment après les démons. Est-ce que je peux me confirmer que les graines d'équipement normalement les graines d'équipement on les aura à partir du moment où on ira ici. Non pas ici. À partir du moment où on ira dans une des 3 zones de trucs. Ou alors dans le jeu ils les permettent de les avoir plus tôt. Parce que bon déjà qu'ils permettent d'avoir les graines de changement de classe plus tôt. J'imagine que les graines d'équipement ultime tu peux les avoir plus tôt aussi. Non voilà, on peut les avoir plus tôt aussi du coup. C'est pas plus mal, comme ça ils te permettent de faire les démons en même temps. Bref, nous on va commencer par changer de classe. Et du coup on va aller à la forêt des splendeurs. Parce que c'est splendide quoi.